Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des plantes moches du moment, voire on ira peut-être même jusqu'aux plantes mortes du moment. En fait, quand je commence à voir le printemps qui arrive à la maison, je vous fais parfois une petite vidéo tour de mes nouvelles pousses, d'habitude, voilà. Mais ça, je vais vous le montrer un petit peu en vlog, et puis il y a une prochaine vidéo qui arrive sur mes petits plaisirs du mois de mars. Une de ma série, mes petits plaisirs jardinage et mes petites frustrations, que j'aime beaucoup. Du coup, je me suis dit qu'on allait se focusser sur celles qui sont moches en ce moment. D'ailleurs, c'est un hashtag que j'utilise de temps en temps sur Instagram, c'est pas moi qui l'ai lancé, contrairement au hashtag... Team Potos, Lyon, Indoor Jungle. Mais j'ai décidé de le reprendre et l'utiliser de temps en temps pour se déculpabiliser un petit peu et vous dire que moi aussi ça arrive. L'important c'est plusieurs choses, de déterminer pourquoi est-ce qu'elles sont moches en ce moment. Et vous allez voir là, il y a une petite palette de raisons différentes sur la sélection que je vous ai faite aujourd'hui. Et ben, non seulement ça permet d'apprendre de ces erreurs, si c'est une erreur qui est liée à nous, de tirer des leçons, si c'est pas lié à nous, bah peut-être que cette plante chez nous ne se plaira peut-être pas, ou alors il faut adapter vraiment ses conditions de culture, sinon elle se plaira pas. Et ça permet, oui, vraiment numéro 1 selon moi, j'ai déjà cité mais je le redis, de déculpabiliser. Voilà, tout le monde a parfois des problèmes avec ses plantes pour des raisons variées. Ensuite, avec ma toute première plante moche, je dirais que c'est... Ah, on va aller du moins pire au pire. Ouais. Je dirais que c'est mon Peperomia Hopes. Celui-là, je l'ai acheté l'an passé. Il était alors il était moins long, mais il était extrêmement fourni. Et vous voyez, là, il me reste deux grandes tiges qui elles-mêmes sont divisées en plusieurs autres. Mais il est beaucoup moins fourni qu'au départ. En fait, ce qui s'est passé, et j'ai quelques abonnés, qui en avait trouvé un aussi l'an passé, je crois que c'était au printemps que je l'avais acheté, qui avait beaucoup aimé cette plante, qui effectivement... bon, c'est un Peperomia, donc dans cette famille-là, les feuilles sont assez épaisses et retiennent l'eau, donc faut pas trop arroser. Mais cet hiver, j'ai du coup continué d'arroser quand le terreau était bien bien sec. Et en fait, je pense que la plante est complètement rentrée en dormance, et que du coup, même arroser quand c'était bien bien sec, c'était trop. Et j'ai eu de grandes lianes entières qui tombaient en étant un petit peu... bah, les lianes étaient pourries en fait au départ, à la base, et au départ de chaque tige. Du coup, il y a eu un problème de pourrissement. La plante est rentrée en dormance à partir du moment où les températures ont chuté, notamment la nuit, et que la durée d'ensoleillement, elle aussi, a chuté, hein, parce que les jours sont plus courts en hiver. Et je m'en suis pas rendu compte, et du coup, j'ai continué d'arroser, on va dire, normalement. Et c'était une belle erreur. Même si chez nous, voilà, avec le chauffage, les plantes sont parfois un petit peu... c'est pas les mêmes conditions qu'un vrai hiver, mais quand même, l'ensoleillement est moins grand. Pourtant, il est proche de ma fenêtre plein est, qui a quand même du soleil le matin, même en hiver. Mais bon, l'inclinaison n'est pas la même, donc la luminosité est quand même beaucoup plus faible et beaucoup moins longue. Et du coup, voilà, j'ai la plupart des tiges, je les ai coupées et les ai boutirées en eau, et ça a posé aucun problème. Donc je vais pouvoir refournir la plante là au printemps, je ferai la petite transition, parce que je ne sais pas encore quand est-ce qu'elle va se réveiller. Celle-là. Mais voilà, c'est un peu une plante moche dans le sens où elle était beaucoup mieux avant et l'hiver, voilà, lui a pas bien réussi. Et ma maintenance aussi, durant l'hiver, ne lui a pas vraiment réussi, quoi. Deuxième plante moche, c'est mon Pilea. Pilea peperomides. Le Pilea, l'hiver, a tendance à se débarrasser d'un certain nombre de ses feuilles sur son tronc et va grandir au fur et à mesure, son tronc aussi. Du coup, Morgane de la chaîne Verbebo en parle très bien, le sien est magnifique et elle a souvent des petits bébés plantes à la naissance du pot pour que la plante continue quand même d'être fournie même si elle pousse en hauteur et forme un tronc en fait. J'ai même une nouvelle petite pousse ici là, donc ça va peut-être me refournir le tout au printemps, on verra. Mais voilà, l'hiver elle est un petit peu en difficulté. Elle n'a pas eu de nuisibles celle-là, alors que j'ai eu un Pilea il y a une année qui a eu des trips et que j'en ai eu quelques-uns là en hiver, donc saison sèche dit trips. En été c'est pareil, donc c'est vraiment simplement lié à l'hiver. Voilà, deuxième plante un peu moche du moment, c'est dommage, c'est une plante que j'aime beaucoup. Ah, vu comme ça, elle est pas moche. Troisième plante moche, c'est mon Pothos néon. Alors lui, il est vraiment moche. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que j'oublie régulièrement de l'arroser. C'est pas parce qu'il est dans une tasse sans trou. J'ai mis un petit fond de bille d'argile, mais surtout, j'espace vraiment les arrosages. Un peu trop, du coup, pour elle, la pauvre. Je l'ai pas fertilisée non plus depuis un moment. Je l'oublie en fait complètement, elle est sur la table de nuit de mon mari.
Et en fait, en plus d'avoir eu des arrosages oubliés, la plupart de ces tiges finissent cassées comme ça. Parce qu'en fait, mon fils de 18 mois vient jouer souvent vers la table de chevet. Et souvent il fait tomber, il y a un cadre à côté, une photo de mariage, une photo de notre mariage, et souvent il fait tomber dessus, du coup il y a des tiges qui s'abîment. Donc là c'est plutôt des oublis d'arrosage et un petit bébé déménageur, bébé bulldozer, bulldoloulou comme mes copines l'appellent, qui passe par là et qui maltraite cette plante. Un pothos néon dans une tasse non percée, ça peut être un problème si vous l'arrosez trop souvent, mais sinon il n'y a vraiment aucun souci. Le pothos, de toute façon. Enfin, vous mettez pas un manjoula là-dedans. Mais un pothos néon. Bon. Et du coup, pareil, là, les petits trous, là. Je vous dis souvent, méfiez-vous quand vous avez des petits trous. Comme ça peut être une petite chenille ou un petit millepatte qui est passé. Là, c'est... Non, c'est à force de coups. Cette plante est battue. Quatrième plante moche, c'est mon verrucosum. Alors, en réalité, cette plante m'apporte beaucoup de bonheur parce qu'elle est en train de renaître de ses cendres. Si vous avez suivi mes vlogmas cet hiver et mes nombreux vlogs. Donc je suis ravie qu'elle reparte, j'espère qu'elle va tenir le coup parce que maintenant je l'ai rapprochée de la lumière mais du coup je l'ai éloignée de l'humidificateur. On fait ce qu'on peut hein, avec nos intérieurs, j'ai pas de serre à la maison et mon aménagement n'est pas extensible. Mon salon est à la fois station de travail pour mon mari, table à manger, coin détente, canapé, coin jeu pour mon fils donc, et puis il y a mes plantes. Voilà. Donc on fait comme on peut. Hein. Donc voilà, j'ai beaucoup d'espoir, même si j'ai un petit peu peur pour elle. Mais c'est quand même une plante moche, donc voilà, ça arrive quoi, on fait tous... voilà. C'est pas parce qu'une plante va mal qu'on va l'acheter, voilà, parfois on essaye d'y croire. Et la dernière plante moche, donc là j'ai dit que j'allais du moins pire au pire, c'est le pire, c'est carrément une plante morte. C'est mon Macodes limi. Qui lui a fait les frais d'un... J'ai eu très très peur de la noyer pendant cet hiver et en fait, écoutez bien, en fait j'ai complètement oublié de l'arroser, tout simplement. Et sa copine à côté, qui est un autre type de Macodes, hein, il existe plein de types de Macodes, qu'on appelle aussi orchidées bijoux, va super bien et pousse et elle est même en train de se ramifier, donc va être un petit peu moins tige. Voilà. Si vous avez des terrariums à la maison, les Macodes sont assez contentes. Voilà. Je vais essayer de la couper et puis de la réarroser pour voir si elle renaîtrait de ses cendres. On verra. Donc voilà pour ce top 5. Finalement, il y en avait 5, donc je vais l'appeler comme ça. Le top 5 des plantes moches du moment, voire mortes. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a diverti un petit peu, appris quelques petits tips sur le chemin, quelques petits conseils, et aussi beaucoup que ça vous a un petit peu déculpabilisé. Ne perdez pas espoir, si votre pilet est un petit peu moche à la sortie de l'hiver, ça ne veut pas du tout dire qu'il ne va pas reprendre du galon au printemps, avec aussi à nouveau recommencer l'apport d'engrais, etc. Donc voilà, il faut essayer d'être un petit peu patient. Parfois, c'est pas hyper agréable à regarder, une plante moche en plein milieu de son salon. Mais voilà, c'est comme ça. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez des plantes très moches en ce moment. Pas forcément mortes comme ma Macodes, mais voilà, des plantes qui sont pas... C'est pas folichon, vous avez grand espoir. Vous misez pas mal de votre espoir dessus pour le printemps. Dites-moi, je serais ravie de découvrir ça avec vous et d'apprendre de vos erreurs à vous, parce que peut-être que vous avez tiré quelques petites leçons durant ce processus. Et c'est ce qui est le plus important. Je vous laisse là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour lui donner un petit peu d'amour. Et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Et je vous dis à la prochaine !